Xôm chinh quỳ. Ông chủ nghĩa sát đồng bộ và các mặt to cách đồng nạc ca nịt tỷ vị thị. Sao nạc ca nịt ngay ní, ông chủ nghĩa nâng thư sao nạc ca mặt to ca sao nạc ca đã bằng hai ảnh sáng cần lứt, đại nâng thư ca chơi tốp rưu thà thị bái còn xong có tốp từ nâng ca đã bằng hai ảnh sáng cần lứt xong khăn ra bỏ sạp rỉa nhá. Nâng sạp mị thuy nô mục đà mặt đăng rọt bạo với ní, đòi krom mị thuy ca bia cơ đấy lục khiêu xong phón. Bẹp bọn nâng mần tí xoan sốc nâng ca bỏ xong áp tế khăn. Làm chi si hoáng, làm rìa ca bì thân biết vọt thầm miến. Phía ký nâng bộ cốt chẳng lái để ông chúng mẹ có hành chuyên chỗ ruông cách chẳng nào ca sao nào ca thay này. Xong chuyên. Xong cổ rộp lục bà thiên, xong rạp sao nào ca nơi thay này, cả là mình chi cắt xong có thuyền thà. Cổ rộp phía ký tặng ớ, nơi rừng cái đấy ní, miên vọt thầm miến. Đấy lái, lục nôn chía, miên vọt thầm miến nợ bần tốc không khuôn kháng kháng xa sao nào ca ní. Đại lộ xa xong lẽ bóng sất miên vật miên đại tố bị bẩn tục xa nạc ca nơi thường ngày này. Vì khắc lẽ bóng sất bóng lộn nôn chía ban bà cô đo cả làm chi rồi hỏi. Nơi thường ngày này mình miên xa xây bóng rong tê lộ cái thiên xong ọ khôn. Ọ khôn cả làm chi. Chia đồ bóng nơi ông chung mẹ xâm rách lưu xâm ná xong rồi bóng chung chọp cho nôn chía chỉ môn sân. Ông chung mẹ ban tự tu lý khắc xong lẽ bóng sất cho rùm xa nạc ca đại tố không bẩn tục xa nạc ca nơi bóng chung chọp cho nôn chía cho thường ngày thì đập mũi khai xây hai cho năm bị bọn đập mũi. Đại ban bình chạy thả, đòi cót miên bánh hà sau cập hiếp chư khá bà, chư chừng kết mặt anh cô dũ ban, mặt anh chọn ở rộng bàn dũ. Nâng đám bây miên lạc hiếp cho ruông sao nà ca. Nhi tháng ngày kháng bốc ở miên bình sật hiếp, luôn xong lẽ bóng sớt cho ruông nông miên vọt tầm miên đẹp to không một tốt sao nà ca. Nơi tháng ngày tí đọc là mùi khai xây hai cho năm bị bọn đọc là mùi. Mì thờ vi ca biết cái đây là bọc luôn mà bảo ẩm bí phá 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 này ca lẽ bóng sớt ní thà ca lẽ bóng sớt ní. Mình anh bỏ sài thai chì ca lẽ bóng sớt bọc luôn nông ca cắt cái đây đòi dư lịch thóa. Rưu có sức trong ca chùm tốt trong phó tăng trong ca đạm hai rưu đại chung từ là ca nít rút biểu liên này sao là ca lưu rút luôn lời. Bạn khơi cầm nọt hai phần nứt sau khiếp chung chọc chọc nôn chía đại thư láng đại cựu bếp và chạm cá. Vì nứt phía ba thái tôm sau khiếp chung chọc chọc nơi ơ vò tỏ có cho thang ngay đi đọc mũi khai xây hai trăm bị bọn đọc mũi bàn khóa xung quanh khơi thả. Thành phía sau khiếp rõ bỏ lúc nôn chía thang ngay ní mặn ai. Ông quý chư dừng kết mặn ai ông quý bàn dù. Nâng bàn phát đoàn lưu sát thà xôm oi ông chúng nè hàn nhát ở lũ nguồn chứa cho ruông tam đàn kênh đàm nà ca sao nà ca bì bần túc kháng kháng xa sao nà ca nì. Bài lưu mùa thà nì nâng dương tam bọt bà nhát nì bà thiên bài xâm mùi chốt pram nì bà thiên bà thê khăn ông ở vô tò có ông chúng nè hà dùl prôm nâng hàn nhát ở chung chọc chọc nguồn chứa cho ruông nâng tam đàn kênh đàm nà ca sao nà ca bì chồng ngái bì bần túc khung khuôn mùi thất nơi kháng xa sao nà ca nì tam rìa ở bà có sao mình có bài này sau tu cho bà con sau tu sắm đắp chuẩn cho nôn chía ai cho rùm tam đan cây nằm nà ca sau nà ca pi chừng ai pi mình tu không khru mũi thân được hàng cầm sau sau nà ca nick nông địa pi này cây nằm nà ca sau nà ca sắm đắp ngày này chia mình to từ ní ông chum ria bắt đầu bị từ ca chun từ cầm bị thui ca pi đầy đủ kêu sắm phón đam bay miền ở cát thui ca chơi top rưu lang thui thà địa bài cất sòng cò top từ nâng ca bằng hai ai từ xa cất lứ สำคัญระบบสหปริญญานังสหมิตรวีนอมกดามดังรอดปะวันีสมเชยลุมมิตรวีจูเมอร์ซี่มิสเตอร์ประธานบอนจูร์สมกุลลูกเทียนสมกุลลูกเทียนลูกลูกสไลจักรม Je vais d'abord commencer mon propos en priant la Chambre des parties de m'excuser, compte tenu du fait que l'audience de jugement a eu lieu vendredi, qu'il y avait audience lundi. Nous n'avons pas pu, comme à l'habitude, préparer un tableau pour que ça soit plus simple de suivre, mais dans la mesure où je ne fais qu'utiliser les documents qui ont été présentés par... il ne devrait pas y avoir de difficultés. Si nous avions su qu'il n'y avait pas de témoins par la suite dans l'organisation de notre week-end, nous aurions fait autrement, mais les choses sont ainsi. J'en profite également pour remercier
la section transcription qui a rendu disponible durant le week-end les drafts pour que nous puissions travailler dessus. Je vais commencer par quelques remarques générales. La présentation des documents tels que prévus par la Chambre était pour les procureurs et les parties civiles de présenter des éléments relatifs au centre de sécurité et aux purges. Dans le cadre de la présentation par l'accusation, nous avons constaté qu'il y a eu quelques débordements sur d'autres segments du procès, à savoir un petit peu sur le conflit armé et un petit peu sur le rôle et la responsabilité supposée des accusés. Donc, même si je vais faire quelques observations par rapport à certains documents, l'essentiel de la discussion, je les réserve pour lorsque ce sera le temps de ces segments abordé par la Chambre. De façon aussi générale, je rappelle la position de l'équipe de Que s'entend, qui est de dire qu'on ne saurait accorder la même valeur probante à des simples déclarations écrites qui n'ont pas permis aux parties d'interroger les témoins ou les parties civiles en salle d'audience, et que je rappelle les mêmes réserves que celles que nous avons pu faire dans le cadre d'autres audiences de documents. Je vais essentiellement, donc, en dehors de cette remarque générale sur les documents présentés par les co-avocats des parties civiles, je vais essentiellement me concentrer sur certains documents présentés par l'accusation. Tout d'abord, sur Okanseng, le co-procureur national a présenté plusieurs documents, et notamment le document E3-240, qui est un télégramme du 7 juin 1977, dans lequel il évoquait l'arrestation de Jarai. Je tiens à lire à la Chambre ces documents E3-240, ERN en français 00-282. 5-5-0, ERN en anglais, 00-8-9-7-6-6-7, ERN en Khmer, 00-00-1-2-6-6. Et je tiens à rappeler que dans ce télégramme, il est mentionné qu'il a été trouvé un certain nombre d'armes en possession des personnes qui ont été arrêtées. Et je cite: enfin, ils ont dit qu'ils sont dans l'armée depuis de 2 à 10 ans. Ils ont sur eux 1 AK, 3 AR-15, 2 pistolets, 3 grenades US. Fin de citation. C'est un élément qui est important parce que dans la présentation, on avait l'impression qu'ils auraient été arrêtés parce qu'ils auraient été Jarai. C'est un petit peu plus complexe que cela. Un autre document qui a été utilisé par le coprocureur national sont des déclarations de Chomse, qui est décédé. Donc, dans la mesure où un certain nombre de ces déclarations ont été lues à l'audience, je tenais à attirer l'attention de la Chambre des parties sur d'autres parties de sa déclaration E3-405. Et dans toutes les langues, ce sont les réponses 9 et 11. Et Chomse explique comment pouvait être libéré des prisonniers, et voilà ce qu'il dit. Donc à la réponse 9, dernier paragraphe. Après avoir observé et suivi à la trace les prisonniers, on a trouvé qu'ils n'ont pas commis de fautes graves et qu'ils pouvaient se corriger. D'ailleurs, il est arrivé qu'on remette en liberté des prisonniers pour qu'ils puissent retourner à la base. Question suivante: qui a décidé de libérer ces prisonniers après qu'ils ont été rééduqués? Réponse 10. Nous n'avions pas le droit de libérer les prisonniers. Ça dépendait de la hiérarchie. Cela veut dire que seul le commandant de la division Sosarun pouvait prendre cette décision.
Nous n'avions qu'un seul rôle, celui de les rééduquer et de faire des rapports selon les résultats de notre travail de surveillance concrète des activités des prisonniers. Si je constatais qu'ils n'ont pas commis de délits graves pouvant être l'objet d'accusations, dans ce cas précis, je faisais un rapport pour demander l'avis et la décision à l'échelon de la division. Fin de citation. Donc, c'est un élément intéressant pour comprendre le fonctionnement et le rapport de Khmer avec son commandant de division, à propos des autres éléments cités, notamment les rapports de Sasaren adressés à Son Sen, je tenais simplement à indiquer que, notamment sur les documents E3-1164, et E3-1060, qui sont donc adressés à Son Sen, que cela confirmait les différents témoins qu'on a pu entendre sur les centres de sécurité et qui ont évoqué la gestion militaire des centres de sécurité et le fait que les affaires de sécurité intérieure étaient du ressort du militaire. Je m'intéresse maintenant à Phnom Kraul, le substitut du coprocureur international a cité plusieurs passages de l'ouvrage, c'est en anglais, Purgeons in the Mandalkeri Islands, de Sarah Colm et Soria Sim, qui a été publié en 2009, donc c'est E3-1664. En dehors du fait que nous ne savons pas grand-chose des auteurs de cet ouvrage, ni de la façon dont ils ont procédé pour effectuer la recherche, il y a une chose qui est certaine lorsque l'on consulte cet ouvrage, c'est qu'il y a beaucoup de confessions qui sont utilisées comme sources, et notamment un passage qui a été utilisé par le coprocureur. Il n'y a que l'ERN en anglais puisqu'il n'y a pas de traduction dans les autres langues. Donc c'est l'ERN 00397615 et la note de bas de page 122 fait référence à la confession de So Kim alias May. Un autre point sur Phnom Kraul, deux PV ont été cités par l'accusation, le PV E3-7703 de Wong Dos et le PV E3-7702 de Sok El. Et je voudrais revenir sur certains passages de ces deux PV qui n'ont pas été cités par l'accusation. Sur Wong Dos, donc PV E3-7703, il est intéressant de noter que Wong Dos évoque les responsables de la prison de Phnom Kraul comme étant d'ethnicité laotienne. Et je cite à l'ERN en français 00426116, ERN en anglais 00242171, et en Khmer 00236746. La question, qui étaient les responsables de la prison de Phnom Kraul? Réponse, ils étaient Pai, Leng et Talang. Actuellement, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants ou où ils habitent. Ces trois sont d'ethnicité laotienne. Il y avait encore plusieurs autres gens d'échelon supérieur. Je ne les connaissais pas, mais j'avais simplement entendu dire qu'il y avait Kham Phun, Ham et Sopi qui faisaient partie de l'échelon supérieur. Fin de citation. Au sujet du PV de Sok El, document E3-7702, je voudrais citer un passage qui est intéressant par rapport au fait que, comme l'indiquait l'accusation, Sok El était un ancien policier sous Lonnol, et il note qu'à Phnom Kraul, il y avait plusieurs catégories de prisonniers, et à l'ORN,
la phrase commence en français à l'URN 00274825. C'est l'URN en Khmer 00236727 et l'URN en anglais 00239509. Ça se poursuit sur la page suivante. Et voilà ce qu'il dit. Les prisonniers de premier et deuxième niveau seraient d'après leur dire envoyés à Phnom Penh. Quant aux prisonniers de troisième niveau, ils étaient tenus à se rééduquer. À se rééduquer à la prison de Phnom Krab. Dans la prison, on ne m'a pas battu, mais m'a demandé « Oncle, quand vous étiez policier, aviez-vous battu les gens ?» Je lui ai répondu que je n'avais jamais fait du mal aux autres. Dès l'aube d'un jour, quand je fabriquais une table, quelqu'un est venu me dire que j'étais acquitté. Avant de me laisser partir, on m'a emmené au bureau de Tassopi pour qu'il me donne des instructions. Il m'a conseillé de ne pas faire comme les autres, puis m'a autorisé à retourner vivre avec ma famille. Fin de citation. Donc, passage intéressant parce que c'est un ancien policier de Phnom Penh qui parle et parce qu'il évoque aussi dans la hiérarchie Tassopi. Un autre point qui a été abordé par l'accusation sur Phnom Krab a été la mention de télégramme qui, au sens de l'accusation, démontrait le rôle du centre sur le secteur 105. En disant notamment que c'était une preuve qu'il y avait une connaissance et un contrôle du centre. Y compris en ce qui concerne le sort des prisonniers arrêtés. Alors, première remarque, et ça c'est un élément que nous avons déjà évoqué, que ce soit dans le cadre de nos conclusions finales sur le procès 02/2 ou également dans le cadre de notre appel. Il ne faut pas que la notion de centre soit un moyen de diluer le fait que lorsque nous sommes dans un procédure pénal, on doit parler de la responsabilité pénale individuelle. C'est un élément qui est extrêmement important et que de parler du centre ne suffit pas pour établir une responsabilité pénale individuelle de M. Tassopi, notamment lorsqu'on évoque tout ce qui est la notion du secret du cloisonnement des différentes tâches. En l'occurrence, je note que tous les documents cités par l'accusation sur ce point, à savoir le 3-1192, le 3-1194, E3-1167, E3-177, E3-168, E3-1297, E3-1299, E3-1277, E3-1297, E3-1204, E3-1298, E3-1208, E3-1208 sont des télégrammes qui ne sont jamais adressés à M. Khieu Samphan, on ne voit pas non plus, on ne le voit pas non plus apparaître en copie. Ce sont des éléments qui sont importants à noter, en rappelant encore une fois que la notion de centre est nébuleuse et pas suffisante pour établir une responsabilité individuelle. Un autre point qui a été abordé, comme je le disais un petit peu de façon prématurée sur les relations avec le conflit avec le Vietnam. Même si c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de cloisonner les choses lorsqu'on parle de segments et qu'on aborde des éléments de preuve. Mais en tout état de cause, j'ai compris de la présentation de l'accusation que l'accusation mettait en avant le fait que ce serait le Kampuchea qui aurait été à l'origine d'attaques à l'encontre du Vietnam, alors même que des négociations étaient en cours. Je rappelle simplement que s'il y avait des négociations en cours, notamment en 1976 et 1977, entre le Kampuchea démocratique et le Vietnam, c'est précisément parce qu'il y avait des conflits à la frontière. Simplement, je rappellerai que les choses sont toujours beaucoup plus complexes et peut-être nous aurons à aborder cette question de façon plus approfondie lors du segment sur le conflit armé, mais il est important par rapport aux télégrammes qui ont été évoqués
par l'accusation sur ce point, de rappeler notamment le témoignage de Prom Sarat à l'audience du 27 janvier 2016 entre 11h10 et 11h17. Il a évoqué notamment l'arrestation sur une île en territoire en cambodgien de 720 soldats du Cambodge démocratique par les forces vietnamiennes. Donc il y avait des deux côtés des choses qui étaient reprochées aux deux camps. Un autre point sur ce conflit avec le Vietnam, l'accusation a notamment cité deux PV du comité permanent de mars 1976, un E3-217 en date du 11 mars 1976 et E3-218 du 26 mars 1976. Et comme l'accent avait été mis par l'accusation essentiellement sur des télégrammes faisant état d'attaque du Cambodge démocratique, je tenais à lire quelques extraits de E3-218 qui évoque qui est essentiellement un rapport de Yar faisant état des négociations et des échanges avec la délégation vietnamienne et qui évoque les reproches des deux côtés. Le premier passage donc, sur E3-218 est à l'ERN en français 00334969, en anglais 00182653 et en Khmer 00000, donc 5 fois 0, 7, 5, 3. Les histoires de la zone nord-est du Cambodge sont relatives à la fois à la révolution cambodgienne et à la révolution vietnamienne. Ils ont reconnu que le nord-est du Cambodge a beaucoup aidé leur révolution. Le super camarade Yar a soulevé les événements depuis la libération, notamment les activités d'invasion concrètes dans chaque endroit, avec les dates et les preuves. Le super camarade Yar a précisé que les super camarades vietnamiens, vous ne cessez pas de parler de solidarité et vous menacez le Cambodge. Concrètement, en ordonnant aux avions de tirer dans le tas le long de la frontière de Mondulkiri au niveau de Haute Dakdang, de Dak Huy, et aux artilleries de tirer sans arrêt. Donc, que veut dire la solidarité? Fin de citation. Le deuxième passage qui m'intéresse est sur la même page en français et aux ERN suivants en anglais et en khmer, c'est-à-dire en anglais 00182654. Et en Khmer, 5 x 0, 7, 5, 4. Et on évoque les propositions qui ont été faites du côté du Cambodge démocratique. Nous leur avons proposé de se retirer du village de Mui, de Ovai et de la montagne de Tramgol. Nous avons précisé que cela est notre souhait primordial. Nous avions très envie de la solidarité. Et pour avoir de la solidarité, il fallait que les super camarades vietnamiens respectent la souveraineté du Cambodge. Jusqu'ici, nous avons fait beaucoup de concessions. Si les super camarades continuaient à violer le territoire du Cambodge, la solidarité ne pourrait pas fonctionner. Nous avons permis aux habitants du village de Somme de retourner. Nous avons permis de créer les comités de liaison au niveau de zones et de régions. Fin de citation. À l'ERN en français, c'est le dernier passage que je vais citer de ce document. À l'ERN donc en français 00334970. À l'ERN en Khmer, donc 5 x 0, 7, 5, 5. Et à l'ERN en anglais 00182656. Voilà ce qui est rapporté de ce qui a été dit de l'autre côté. Li Viang a dit que, à la frontière, malgré quelques petits incidents, il n'y a pas de problème
parce que nous sommes des amis solidaires. Si c'était des ennemis, même un petit bout de terre, ce serait impossible. Le Vietnam veut proposer de construire une frontière de solidarité. Le super camarade Yar a répondu que les super camarades, vous avez dit vouloir construire une frontière de solidarité, mais en réalité, vous êtes venus vivre sur notre territoire. Comment peut-on construire la frontière de solidarité? L'amitié doit s'appuyer sur le principe de respect réciproque. Fin de citation. Donc, c'est des éléments sur lesquels je suppose que tout le monde reviendra sur le segment du conflit armé. Et c'était important de rappeler que les télégrammes qui ont été cités par l'accusation sont en lien avec cette situation et les différentes exigences de part et d'autre dans le cadre des négociations. J'en viens maintenant à S21 et aux documents qui ont été présentés par M. le coprocureur international sur ce segment. Et d'abord, un petit point sur l'étude de Chang Huck, donc le document E404-2.1.3, et notamment la préface à cette étude. Et l'évaluation du rapport de cette étude, E404-4. Je rappelle que dans votre décision E404-4, pardon, au paragraphe 7, vous avez indiqué que vous avez l'intention de faire comparaître Jeune Vouti, responsable de l'équipe de Chang Ek, pour que les partis puissent l'interroger sur sa méthodologie. C'est un élément qui est extrêmement important parce que cette étude, elle est très technique, très scientifique. Et je pense que profane que nous sommes, ça va être très compliqué de tirer des conclusions sur cette étude sans que nous ayons la possibilité d'interroger ce responsable dans la mesure de nos moyens et de nos connaissances. En tout état de cause, un point que je souhaite d'ores et déjà relever est d'indiquer qu'il ne semble pas que dans cette étude scientifique, il y ait eu une étude de la datation des ossements examinés. Et que ça, c'est certainement un point qui sera nécessaire d'aborder avec le responsable scientifique de l'étude. Donc, c'est la seule remarque que je ferai à ce stade-ci, puisque les autres remarques ne seront utiles que lorsque M. Van Vouti aura comparu devant la chambre. Tout à l'heure, j'ai abordé la question du caractère prématuré de certains documents et notamment en lien avec la responsabilité des accusés et l'accusation, ça fait la sixième fois maintenant à nouveau, rejouer un passage vidéo du documentaire Facing Genocide, document E109-3R. Comme je l'ai dit, c'est la sixième fois que ce passage est utilisé. Je rappelle que à l'audience du 31 janvier 2013, il avait utilisé à l'audience du 5 février 2013 également, toujours une audience de documents clés, à l'audience du 18 octobre 2013, lors des plaidoiries finales de l'accusation, également au début du procès 02-2 à l'audience du 17 octobre 2014. Donc, on sait que l'accusation M a diffusé ce passage. Je tiens à resituer le contexte, c'est important, de ce documentaire, à savoir que c'est un document qui a été tourné à une date qui est évidemment antérieure à l'arrestation de M. Khieu Samphan et qui est bien évidemment antérieure à l'accès de M. Khieu Samphan à la masse de documents qui allait constituer son dossier d'instruction et dont il n'avait évidemment pas connaissance avant. C'est un élément important et c'est un élément qui est extrêmement important lorsqu'on analyse les écrits de M. Khieu Samphan, parce qu'il a une tendance particulière à beaucoup utiliser des choses qu'il a lues
dans certains ouvrages. Avant de revenir à ce point particulier, je voudrais citer un passage de l'ouvrage « Histoire récente du Cambodge et méprise de position », document E3/18, qui a été cité partiellement par l'accusation. Et là, je renvoie à l'ERN en français 00595513, à l'ERN en Khmer 00103891, et à l'ERN en anglais 00103794. L'accusation a cité la première partie que je veux reciter à nouveau, mais en omettant la deuxième partie. Et voilà ce qu'on peut lire. Je rappelle que cet ouvrage date de 2004. Vers le milieu de 78, il m'arriva bien d'entendre parler des arrestations massives et des atrocités commises dans la province de Krivihir. C'était ma femme qui, tout en larmes, m'avait raconté le récit des atrocités commises à l'encontre de ses frères et autres proches parents qui se trouvaient parmi beaucoup d'autres victimes innocentes. Fin de citation. Là, c'était la citation telle qu'elle a été effectuée par l'accusation. La deuxième partie qui a été omise par l'accusation est la suivante. Mais en ce temps, la libération des victimes et l'arrestation du secrétaire du parti de la province m'avaient laissé à penser que ce ne fut là qu'un cas isolé. Fin de citation. C'est important de remettre l'intégralité de cette citation dans son entièreté. Avant de revenir sur d'autres passages, et notamment les interviews de Khieu Samphan avec Steve Eder, un des arguments présentés par l'accusation a été d'indiquer que Khieu Samphan ne pouvait prétendre ignorer ce qui se passait parce que selon la liste E390.3 établie par le bureau des juges d'instruction, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient arrêtées et qui avaient travaillé dans les entrepôts d'État ou au ministère du Commerce, des aspects du régime et donc il dit relevant de Khieu Samphan. Alors, ça c'est encore un point que nous allons certainement aborder de façon plus complète lorsque nous serons sur le rôle supposé et la responsabilité supposée des accusés. Enfin, une simple déclaration générale de l'accusation pour dire qu'il y avait des gens qui étaient du ministère du Commerce et des entrepôts d'État qui auraient été arrêtés, ne permet certainement pas d'établir que Samphan aurait eu une quelconque responsabilité dans l'arrestation de ces personnes, ni dans le processus de ces arrestations, ni même qu'il était au courant de ces arrestations qui étaient survenues à des services dont on n'a certainement pas établi qu'il les chapeautait au quotidien. Donc ça c'est une remarque que je tenais à faire à ce stade-ci, mais évidemment je suppose que la question reviendra lorsque nous serons sur le segment de la responsabilité. Pour le moment c'est un petit peu prématuré. En ce qui concerne un document, un article de Steven Hedder, Pol Pot et Khieu Samphan, qui a été utilisé par le procureur international, un document E3/3169. Je tiens tout d'abord à noter que c'est un article qui date de 91. Et ça, c'est important lorsqu'on étudie le travail de Steve Hedder. Nous savons quels sont les différents postes qu'il a occupés, quelle était l'évolution de ses recherches. Donc, de noter que cet article a été publié en 91 est important parce qu'il y a des éléments qu'il n'avait pas encore à sa disposition. Et ce serait intéressant de pouvoir l'interroger a posteriori avec la connaissance qu'il a acquise après avoir travaillé à la fois chez les juges d'instruction et à l'accusation, et également dans ses capacités de chercheur. En tout état de cause, en dehors du fait que ce document date de 91, je rappelle, et ça c'est important, que la Chambre a bien rappelé que
confession ne saurait être des éléments de preuve utilisables dans le cadre d'un procès pénal, surtout à ce stade, dans le cadre d'une juridiction internationale. Et le passage qui a été utilisé par l'accusation, donc c'était l'URN en français 007-22-080, ERN en Khmer 00711393 et en anglais 00277600. Vous noterez que la note de bas de page 60 qui est à la fin de ce paragraphe cite la confession de Chouchet alias Si. Donc c'était un élément qui était important à noter. Un autre point que je tenais à souligner et à mettre en avant, j'ai abordé un petit peu plus tôt en évoquant la question des écrits et des entretiens de M. Khieu Samphan après le régime, en rappelant que ce n'est pas d'ailleurs anodin de noter que la plupart des éléments que l'accusation a présentés sont par rapport à Khieu Samphan sont des éléments post-cabinet et notamment des entretiens ou ses écrits. Et je tenais à évoquer des passages qui n'ont pas été mentionnés par l'accusation, sur notamment les interviews avec Steve Eder, donc des interviews qui sont non datées, E3-4035 et E3-4032. Mais s'ils ne sont pas datés, nous allons voir que on peut savoir qu'ils sont bien postérieurs au camp putsch démocratique et bien postérieur même au premier entretien qu'a eu Steve Eder avec Khieu Samphan, qui était en 80. Je rappelle à l'attention de la Chambre et des partis que c'était à l'audience du 18 juillet 2013, donc document E1-226.1, vers 10h21, que Eder a rappelé que la première fois qu'il s'est entretenu avec Khieu Samphan, c'était à la suite d'une conférence de presse organisée par responsable du camp putsch démocratique de l'époque, et que à l'issue de cette conférence de presse, il s'était entretenu avec Khieu Samphan et Yeng Sari, et avec Khieu Samphan pour la première fois. Ensuite, nous avons ce document E3-4032, qui est donc une interview accordée ultérieurement, forcément à 80, et d'autant plus ultérieurement. Et c'est intéressant de voir que Khieu Samphan appuie ses dires et ses analyses sur des choses qu'il a lues postérieurement au putsch démocratique. Et là, comme il s'agit de transcription d'interview, je renvoie au tout début de la transcription dans toutes les langues, donc 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et voilà ce qu'il dit, Khieu Samphan. Ces combats ont continué jusqu'à la fin de la guerre en 1975. C'est ce que dit Ben Kiernan dans le régime de Pol Pot, page 65. J'ai considéré les différentes recherches et découvertes de ce chercheur étranger comme le premier élément et d'autres de M. Pol Pot, M. Salazar. Ça, c'est fin de citation. Ça, c'est un point qui est extrêmement important et je le dis parce que souvent, lorsqu'on fait des citations coupées des écrits de M. Khieu Samphan, on ne voit pas sur quoi il fonde ses dires, mais contrairement à ce que l'accusation soutient lorsqu'elle présente des coupes de ses déclarations, la plupart de ses déclarations ont lieu et sont des commentaires de choses qu'il a lues ailleurs. On retrouve ce point également à 0 heure, 2 minutes et 24 secondes du même document. Et voilà
ce que dit encore que Sampan, toujours en évoquant les bavardages de Pol Pot qui ont été évoqués par l'accusation dans le cadre de la présentation de sa preuve. Et voilà ce qu'il dit. C'était par ce biais qu'il était au courant de ce que le chercheur a découvert grâce aux interviews de Tifamon et d'autres. Au contraire, M. Pol Pot n'a pas interviewé M. Tissamon. Il a peut-être causé avec ce dernier. Je n'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a un problème technique. Je vais recommencer parce qu'apparemment, je suis allé trop vite, donc c'est le document E3/4032. C'est une transcription d'interview et c'est minuté, donc c'est à la minute, à 2 minutes et 24 secondes. Et je relis. C'était par ce biais qu'il était au courant de ce que le chercheur a découvert grâce aux interviews de Thia Samon. Alors mon accent doit être très mauvais, j'appelle à l'attention des interprètes. T-E-A, plus loin, S-A-M-O-N. Thia Samon. Et d'autres. Au contraire, M. Pol Pot n'a pas interviewé Thia Samon. Il a peut-être causé avec ce dernier, je n'en sais rien. C'est une citation. Un autre passage important et intéressant et se trouve à 6 minutes et 18 secondes, toujours sur ce même document. Et voilà ce que M. Khieu Samphan dit. Puis M. Pol Pot a rajouté: Nous, le comité permanent, nous devons le surveiller tout le temps. Ce langage, ces termes de M. Pol Pot, je les ai appris grâce à M. Ben Kiernan et son livre intitulé « Le régime de Pol Pot » à la page 101. Voilà ce qu'a écrit M. Ben Kiernan et puis c'est tout. Fin de citation. Ça, c'est un élément important et je cite également une autre transcription d'interview, E3/4035. Donc là, c'est à nouveau le tout début de la transcription, donc 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et voilà ce que dit M. Khieu Samphan. Je voulais enfin soulever le style de leadership de Pol Pot, duquel j'ai été témoin à travers mes recherches, et la parole de Philippe Short, le qualifiant expressément d'un leader astucieux. Et Ben Kiernan a aussi souligné ce point, sans faire mention de sa direction sous un aspect global. Ce dernier l'apprécie pour son habileté extraordinaire de persuasion, grâce à laquelle il avait réussi à convaincre Sao Pim de participer à la lutte armée. Fin de citation. Donc, en dehors du fait que ce sont des interprétations de M. Khieu Samphan, ce qu'il a lu de Short et de Ben Kiernan, ce n'est pas de la valeur de son interprétation, mais c'est quand même intéressant de savoir que après la démocratique, M. Khieu Samphan a fait beaucoup de recherches sur des choses qu'il ne savait pas. Et il a encore eu à le dire, il me semble, devant cette chambre, en disant qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a apprises que en étant dans cette salle d'audience. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important et qui est important pour remettre ses écrits ou les extraits de ses écrits en contexte. C'est d'autant plus important de rappeler ce point que l'accusation, lorsqu'elle a évoqué ensuite les déclarations de Nguyen Chea à propos de Khieu Samphan, a également omis un certain nombre de choses que je voudrais rappeler ici, et ce sera mon dernier point. Je ne ferai évidemment pas de longues observations sur les déclarations de Nguyen Chea, ce n'est pas mon rôle, mais en ce qui concerne ce qui a été cité sur Khieu Samphan, je voudrais remettre les choses en perspective. Ce n'est pas la première fois que l'accusation fait état de la conversation entre Duc et Nguyen Chea à propos d'une confession dans laquelle le nom de Khieu Samphan aurait été mentionné. Et c'est un
un argument récurrent qui vient du côté de l'accusation. Et on trouve donc ce point dans Behind the Killing Fields, l'ouvrage notamment de Ted Samba, E3-4202. Et ce passage qu'a cité Car je ne pensais pas que c'était utile, a-t-il dit. Fin de citation. C'est un élément qui est important parce que M. le coprocureur international a également évoqué un passage de l'ouvrage de Ted Samba au cours duquel Nunchia a indiqué que Pol Pot, Nunchia et que Sampan partageaient souvent des repas, sous-entendant que parce qu'ils partageaient souvent des repas, tout lui était dit. Ce n'est pas ce que dit Nunchia dans son entretien avec Ted Samba. Et ça, c'est le point sur lequel je voudrais terminer. Donc, toujours le même ouvrage E3-4202 ERN en français 00757527527 non pardon, c'était l'anglais ERN en français 00849427 ERN en khmer 00853288. Et je vais lire l'intégralité du paragraphe pour que tout soit remis dans le contexte. Sihanouk n'était pas le seul dont le titre était le coquille vide. Plusieurs dirigeants qui exerçaient des fonctions importantes au sein du gouvernement, comme Khieu Samphan et Yeng Sari, n'étaient pas associés aux décisions cruciales. Ouyun Von Vert et d'autres ministres n'appartenaient pas non plus au cercle des initiés. Le pouvoir était lié à l'importance des fonctions exercées au sein du Parti communiste par opposition au rôle joué au sein du gouvernement. Nunchia n'était pas vice-premier ministre, pas plus qu'il ne dirigeait un ministère, mais sa fonction de secrétaire général adjoint du Parti communiste de Kampuchea lui conférait d'énormes pouvoirs. Il élabora nombre des politiques du parti et dans les cercles de direction du parti, Ankar était souvent assimilé à frère numéro 1 et frère numéro 2. Ça, c'est l'analyse de Ted Samba. Bien maintenant, ce qu'indique nombre de politiques parmi les plus délicates du régime étaient discutées entre Pol Pot et Nunchia et personne d'autre. Nunchia a indiqué que Yeng Sari et surtout Khieu Samphan n'étaient informés ni des purges des responsables ni d'autres décisions qui définissaient le régime. Fin de citation. Donc, ça c'est important parce que malgré les repas pris ensemble, il y a des informations qui n'étaient pas données à Khieu Samphan. J'en ai terminé de vos observations et réponses sur le sujet, en rappelant que, bien évidemment, ce qui concerne le rôle et la responsabilité des accusés, ce sont des choses qui seront abordées de façon plus approfondie lorsque le temps du segment sera venu. សាវនាកាថ្ងៃនេះដល់ពេលជួបសម្រាប់ហើយអង្គជំនះប្រកាសផ្អាកកិច្ចសាវនាកាសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសាវនាកាលើកបន្តទៅថ្ងៃស្អែក
ที่ดับเปิลคายเซฮาชนำปีปอนดับมวยจับปีมองฮะบัดโดยมีปัญหาปัจจัยกระติองยุมเลียประกาศสมระมาเพยนตีจับปีในต่อเตยสมจึงสมระ